Ainsi, au bon moment, il y a une clinique à Ottawa, clinique du docteur Tadimou Boyi, un Congolais qui fait la fierté de la communauté. Nous sommes là, tout le monde, la clinique du docteur Tadimou Boyi. Quand nous avons un Congolais, il met le tout le monde, les boss, les patrons, les Congolais, à Ottawa. Nzambe a pamboulé. De son excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État. Mais aujourd'hui, voir les nouveaux ambassadeurs venir ici, c'est vraiment, vraiment un grand plaisir. C'est un bon signe de témoignage de fraternité entre nous, le peuple congolais. Le président Félix était ici comme président ou bien comme avant? Non, c'était de ce temps-là, il était encore le président de Rassemblement. Le parti, il est encore dans l'opposition. Donc ça me fera plaisir que le président puisse revenir ici parce que c'est vraiment bon. Vous avez combien de lits ici? Combien? Oui, ici. La capacité ici? Oui, oui, ici j'ai 6 salles opératoires. Je traite à peu près 3200 patients à chaque année ici qui ont besoin de soins différents. Ici c'est un centre dentaire, c'est une clinique dentaire auquel je traite des patients ayant besoin des implants, des patients ayant besoin des extractions des dents de sagesse incluses, les patients ayant besoin des greffes gingivales ou d'autres patients qui ont besoin de soins esthétiques tels que les veneers. Donc tous les soins esthétiques sont faits ici. Et qui est le docteur Tade Mouboyi? Docteur Tade Mouboyi est un Congolais qui a quitté la République démocratique du Congo en janvier 1982 et est arrivé ici au Canada où j'ai pu finir encore mon diplôme secondaire ici au Canada. Après ce diplôme secondaire, c'était en 1982 et en 1984, docteur Tade Mouboyi et moi-même, je suis allé en Belgique, précisément à Bruxelles. Ah, vous quittez le Canada pour la Belgique? Exactement, j'ai quitté le Canada pour Bruxelles, à ULB, où j'étais admis en faculté de sciences dentaires, ou comme on appelle là-bas, et de 1984 à 1989, j'ai fini la dentisterie à ULB. Et pour après, revenir ici au Canada. Gloire à Dieu, je vois ULB, bon, il y a beaucoup de médecins qui, moi, je connais personnellement de l'ULB, je les salue tous. Ici, c'est votre collègue, votre aîné, votre. Ça peut aussi votre. Les autres sont plus âgés que vous, mais c'est un doyen. Mais comment. Comment l'idée vous est venue pour commencer cette clinique ici à Ottawa? Ouais. Mais disons que j'ai toujours eu quand même l'esprit d'entrepreneuriat. Quand j'ai fini, entre parenthèses, au moment où j'ai fini à l'université de Libre de Bruxelles, en revenant ici, les diplômes européens n'étaient pas reconnus. Donc j'ai dû encore aller à l'Université de Montréal pour obtenir un deuxième diplôme. Cette fois-ci, ici c'est la médecine. Malgré l'ULB est très mondialement connu, ici au Canada, voilà. Ce n'était pas reconnu. Ce n'était pas reconnu malgré mon diplôme légal que j'avais de ULB. Et donc j'ai dû encore refaire la deuxième fois la médecine dentaire ici au Canada. Deux fois. Et pour graduer la deuxième fois en 1995. Et dès que j'ai fini, je reconnaissais que j'avais déjà quand même un peu du retard, le fait que c'était la deuxième fois que je faisais les mêmes études. Et donc, j'avais choisi de venir m'installer ici, à Ottawa, avec mon épouse et mes trois enfants. Et donc, ici, dès le départ, j'ai été approché par une banque qui m'avait vu travailler au Québec
que si j'étais intéressé à ouvrir une pratique dentaire et qu'eux allaient me financer. Mais quand Dieu est devant soi, on ne peut pas refuser. J'avais ouvert une première clinique qui était une clinique un peu plus petite avec trois salles opératoires. Et là, je me suis construit une clientèle. J'avais commencé à zéro. Et après 13 ans, j'avais décidé d'acheter ces lieux ici, sur la grande artère d'Ottawa ici, qu'on appelle Inès. Et là, j'ai sollicité les banques pour pouvoir obtenir du financement afin de construire cet immeuble. Et c'est dans cet immeuble où j'ai construit ma clinique. Et tous les autres qui sont là, ce sont mes locataires. Mais on dit que ça vous a parti, c'est grand. Oui. Il y a des avocats au-dessus? Oui, oui. Ici, on a des avocats, on a la clinique des physiothérapies, on a la clinique de santé auditive, on a une pharmacie et on a une grosse garderie, très très grosse garderie, qui est aussi dans l'immeuble, oui. Et c'est vous les boss? Ça, moi, ça me fait plaisir. J'ai visité beaucoup de pays, j'étais presque partout, presque. J'ai vu des Congolais, mais je vous dis, c'est pour la première fois que je puisse voir, que ce soit aux États-Unis, en Europe, au Canada, un Congolais avec une clinique aussi grande comme ça, avec beaucoup de lits, et puis tout l'immeuble, c'est à lui. Et il fait louer aussi, il y a des cabinets d'avocats, on dit, waouh! Waouh, waouh. Avez-vous un projet pour le pays? Oui, j'ai un projet pour le pays. J'ai commencé d'abord par m'associer avec un autre collègue qui est là-bas. J'ai commencé ça depuis maintenant 2 ans où je vais seulement pour placer les implants, pour la chirurgie implantaire. Donc, et ils sélectionnent des cas d'implants, ils font les radiographies, ils font des scanners, ils me les envoient ici, j'étudie, je prépare des modèles chirurgicaux et quand je descends là-bas, et là je traite les patients. Et ça c'est la première phase, mais pour les restes, je suis en train de voir, je vais voir avec l'ambassadeur si il y a moyen qu'on puisse peut-être monter quelque chose d'envergure afin de permettre aux Congolais, au lieu de payer beaucoup d'argent pour aller en Turquie, ailleurs, se faire soigner, si tout peut être fait sur place. Merci beaucoup. Attends, moi, tout ce que tu as une question, parce que Azala Bapaya, ambassadeur Pazadeo, Tobi, gloire à Dieu, mon amour, mais lui qui, à l'Ovaringa, l'Azapna des pères et des mères, dans la communauté des pères et des mères. Quel message au groupe de compatriotes, les Congolais, au Bazar du Canada, au Bazar partout, au Congolais de partout, que l'excellence, bâtiment moderne, on a fait travailler, Mindele, on a bossé à Batunso, l'excellence là, quel message au groupe de Congolais, de Bamboka, c'est possible. Et là, on a quoi, on a bandé, on a gagné, on a. Ba Congolais, na ba Congolaise, na vie et loko ezali plus important ezali la persévérance. La persévérance et l'honnêteté. Ce que ezali na yo honnête, na mboka o ya mundele, ba kopesa yo chance, ba kopesa yo premier crédit na yo. Ce que ba monique ozongi si malam et que ezali persévérant. Bakopé sa yo, ya ebele, et bakopé sa pe yo, ya ebele mingi, okoko koma, na ba niveau, ndenge moko, na mindele ou union so, sans complexe. Ton succès, merci beaucoup, en tout cas, ton petit beauté, ma docteur Dikama Kedika, ma zabana ULB, bozu ma motre, binon, bozu ebele, pele, ebele, pesan, la pasteur Patrick. Tout le monde est beauté, tout mon lit, c'est vous très bien. Kolo Apambola, Kolo Asuma, tout ce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Djougwa, Aïbi,
déjà awa quand a visité un mot tout ce qui est bateau bondé au grosso mambo quand ils sont dans le domaine médical bah quoi y'a bas son mambo quand là et que Congo possibilité d'ailleurs au moins là Congo c'est possible d'y avoir là bas l'homme qu'est-ce qu'on a c'est possible d'y avoir là bas l'homme quoi Makasi et j'ai vraiment confiance na ministre de la santé au président Azui Mbalawo au docteur Roger Kamba qui est un excellent médecin et je pense que Akoko Salamoussala y a bien et par lui je pense que il y a moyen que tout travailler ensemble. Merci beaucoup docteur Tade Mouboyi Azala Bapaya Azala Moussala Bédé peut-être aux on prochainement tous voyez avec qui pour la mission Essengo Makasi Kouzala Awa Zambé à Pambola Bino. Merci docteur. Merci beaucoup.